Ok mes petits potes, nous y sommes. L'alpha de Call of Duty Vanguard, disponible du 27 au 29 août, seulement sur PlayStation. Et vu que c'est gratuit, tu n'as pas besoin de PlayStation Plus. Et ça c'est la bonne nouvelle. Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour la découverte et le test du nouveau Call of Duty Vanguard. Ouais, je me suis demandé un petit peu qu'est-ce que j'allais faire comme intro, parce qu'il y avait le Modern Warfare, Black Ops Cold War, Vanguard. Ça paraît bien, non? Vous en pensez quoi? C'est venu comme ça. Hop, hop. Alors du coup, on est sur... Enfin, je suis sur PS5, la bêta est disponible sur PS4 et sur PS5, voilà, 27 au 29 août, PlayStation uniquement. Et du coup, alors je crois qu'on peut choisir les versions du jeu, mais je vais prendre celle de PS4 puisque je suis avec ma manette de PS4 et malheureusement je ne pourrai pas jouer avec sur la version PS5, je ne crois pas. Et du coup, ce qui veut dire que bah, avec la manette de PS5, je suis pas trop plus fan que ça, donc c'est pas grave, de toute façon on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Call of Duty Vanguard, Champion Hill Alpha. Champion Hill, c'est un mode de jeu qui... Bah c'est tout nouveau sur Call of Duty. Sledgehammer Game Presence. Binox 3 Archriven 8 Moon Studio. L'introduction est badass, non? Demonware Call of Duty Vanguard. Ok, bah il te fait le suspense mon petit pote hein. Ouh, oh, oui. Parfois une mission se présente. C'est le gars qui avait dans Modern Warfare Remaster là, tu sais, le vendeur, non? Ça peut être stopper un psychopathe. Gagner une guerre. Gagner une guerre. Ou même sauver le monde. Et c'est là qu'on fait appel aux professionnels. Ils font ça bien. Ils font ça vite. Pas trop synchro. Ils font ça violemment. Parce que là où il y a une mission, il y a des professionnels pour la remplir. Yes! Bienvenue dans Champion de la Colline. Bienvenue dans Champion de la Colline. Donc nous sommes là, message du jour, bienvenue. Donc nous sommes dans le menu de Call of Duty Vanguard. Petite musique plutôt sympa, qui a l'air un peu fort d'ailleurs hein. Voilà, on va baisser le volume de la musique. Et tant qu'on est là, voyons voir, au niveau de la manette, je pense que je vais mettre à 7. Tactique, inverser, non. Inverser la vue verticale, oui. Type de réponse de visée, standard. Vibration de la manette, 100. De toute façon, il n'y a plus de vibration de la manette, je les ai retirés. Mouvement de la caméra, flux de la caméra, non, s'il te plaît. C'est de la merde. Définis le pourcentage de certains tremblements. Ah ouais, d'accord. Au minimum, ouais, tremblement minimum, mon pote. Hein. Tremblement minimum. Alors, il n'y a pas de changement de FOV. Ce qui est forcément une mauvaise nouvelle. On l'avait sur Call of Duty Black Ops Cold War sur console. Si on l'a pas sur Vanguard, c'est vraiment une régression, hein, clairement. Mais là, on l'a pas. En tout cas, c'est l'alpha. Après, voilà. Là, on est sur l'alpha. Faut pas non plus dire « Ouais, c'est ce qu'il y a sur l'alpha, ce sera la version finale. » Non. Automatiquement, entre l'alpha et même la bêta et la sortie du jeu, il y aura des changements en termes de gameplay. Ça sert à ça déjà, de toute façon, une alpha ou une bêta. C'est voir un petit peu les trucs à ajuster ou quoi. Mais du coup, bah, pour l'instant, il n'y a pas. Donc, j'ai lancé du duo. On y va, champion de la colline. Je sais pas de quoi réellement il s'agit comme mode de jeu. Parce que j'ai vu qu'on avait genre une map où il y avait 4 petites maps. Et dans ces petites maps là, c'était genre du 2v2, un truc comme ça. Puis après, ceux qui survivaient. On va voir ce que ça donne. Donc du coup, première game jamais réalisée sur Call of Duty Vanguard. C'est maintenant. La dernière équipe encore debout l'emporte. Ok, soyez la dernière équipe en vie pour l'emporter. Madame, j'ai même pas le temps de lire, Gao. Donc là, c'est quoi là? Crossplay activé. Ouais, bon, la bêta, elle est... Enfin, l'alpha, elle est que sur PS4. Alors bon, malheureusement, voilà, la FOV est stricte. Moi qui suis habitué à jouer sur PC, automatiquement, en termes de FPS et de champ de vision, c'est un peu limité, donc ça va... Bienvenue dans Champion de la Colline, les amis. Ouais, c'est peut-être un peu fort, le bruit. Votre équipe a encore un paquet de vies. Si vous perdez toutes vos vies, vous serez éliminé. Voilà. La dernière équipe encore debout l'emporte. Voilà, toi aussi, on va te prenez mettre... de l'équipement. Ah, oulala, j'ai l'impression d'être lent. Arme, bas. Ok. Ah, d'accord, donc là, on a genre des manches et après on gagne de la thune et. Ok.
Voilà. J'espère que les balles que j'utilise... Ah mais du coup, j'ai perdu ma Thompson. Donc là, je crois que c'est ça. On a les 4 maps. Est-ce qu'on a l'inspection des armes ou pas? C'est quoi ça? Ah, c'est le mode de tirer. Ah, d'accord, ok. On n'a pas l'inspection des armes. Bon, après, c'est des choses qui, généralement, il n'y a pas sur Alpha Beta. Ça arrive juste à la sortie du jeu, quoi. Normalement, il y a le sprint tactique. C'est vraiment le même gameplay que MW. Contrairement à Cold War, où le gameplay était un petit peu différent. Là, normalement, c'est vraiment le même gameplay. Hein. Oh, ok, bon, bah écoute. Moi, je suis avec White Lightning. Dog, 12 sur 12. C'est quoi, ça, VS? Ah, c'est aléatoire, le versus sur lequel on va tomber. Ah, c'est bien, ça. Ok. Bienvenue dans Champion de la Colline. Alors, c'est assez obscur. Éliminez toutes les équipes pour l'emporter. Faudrait que je vois avec les filtres comment ça rend. Parce que là, je trouve que c'est quand même assez obscur. C'est de la thune, ça, ou quoi? Ah, c'est de la thune, genre. Attends, y'a un gars, là. Wow. Alors, par contre, ouais, là, il faut maintenir pour récupérer la thune. Faudrait que je vois ça. Est-ce que je vois ma santé ou pas? Voilà, lui il est mort, premier sang. Et normalement il y a son pote, je sais pas où. Élimination. Oh les gars! J'avais 10 secondes. Bah écoute, c'est pas mal ça pour l'instant. 3 kills. Comment que ça se passe maintenant? Alors du coup, on rejoue contre eux? Ah oui, d'accord. Ah, je vois le délire. Prenez leur vie. Ok, on a une map, une manche. 4-0. Ok. Ça a l'air pas mal le gameplay. En tout cas, le gameplay. Bon, pour moi, ça me perturbe un peu le fait que je sois sur console avec une FOV stricte et moins d'FPS. Mais. Vu que je suis habitué sur PC. Mais le gameplay, c'est vraiment le même que MW. Il faudrait vraiment que je mette juste appuyer que maintenir. Oh, oh merde, bien joué à lui. Donc, du coup, là, on est sur une autre map, c'est ça? Ah, mais. Ah, mais c'est vrai qu'on regarde la destruction du coup. Moins 1. Ils vont peut-être aller sur lui, s'appuyer. On essaye de tester un petit peu tout, hein. Ah, oh, ah ouais, tu découpilles et tu jettes. Tu découpilles, tu jettes, ok. Oh, les glissades. Et la grenade, elle a... J'ai des plaques d'armure et tout. L'ennemi a pris vos vies. Oh non, défaite. Comment que ça se passe alors? J'ai du mal à comprendre un peu ce qui se passe là. Je suis en mode analyse. Enfin en mode découverte. Alors là on se retrouve sur une autre. Non, c'est la première map. Non. Oh, la barre fait très très mal en tout cas. Il y en a un qui s'est montré, l'autre est toujours derrière. Fouh! Pas passé loin. Ok. Et là, je vois pas ma santé en fait là. Parce que là, je vois, il y a des plaques et tout. Genre, on peut mettre des plaques? Comme... Ah, d'accord, je vois les plaques, elles sont mises automatiquement en fait. Vous avez 10 secondes. 10 secondes? Ok. Ouais, d'accord, je vois bien les 4 arènes. Et du coup, bah jusqu'ici ça va. On est premier ou quoi? J'ai l'impression qu'on est... Ah, c'est le premier arrivé à 12 en réalité. J'ai comme le sentiment. C'est quoi ça? Faites-le plein tant que vous pouvez. Ah, ravitaillement. Armure complète. Vas-y. Pas de course, fantôme, entraînement, alerte maximale, tracker, vas-y. Et là au niveau des armes, y'a quoi? Fusil 3 lignes, oh! Oh vas-y, je vais prendre le snipe. Hein. Ah mais du coup c'est... Ok, c'est... Ah c'est bon, je crois... En fait, parce que quand t'achètes une arme, ça remplace automatiquement l'arme que t'as en main, ok.
Je l'ai vu passer, lui. Il vous reste moins de 10 vies. Moins de 10 vies. L'Élysée a été liquidée. Il ne reste plus que 6 équipes. Ok. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais ça va l'air d'être intéressant en tout cas. Vous avez 10 secondes. Aïe aïe aïe. Ça m'a l'air compliqué. J'ai l'impression qu'on va perdre. Il vous reste 5 vies. Oh, le pognon qu'il avait. J'ai loupé ça, Kishta! Égalité! Oh, c'est bon ça, égalité en fait? Non? Peut-être. Je sais pas. J'ai un petit peu paumé, mais c'est normal, ça prend pas que je joue dessus. Attends, faut faire des kilos snipe. Bon, le temps de viser est un peu lent. Je crois qu'il va arriver là, non? Mais en fait, ça ramasse la thune tout seul, je suis trop con. Ah, mais attends. C'est fini. Allez vous dégourdir, les gens. Oh, son arme elle est améliorée en fait. Oh, oui, d'accord, son arme est améliorée. Oh, trop bien. L'équipe Able a été éliminée. Il reste 4 équipes. Ils sont où, les gars, là? Parce qu'il faut faire du kill, hein, j'ai l'impression. Vous avez 10 secondes. Ah bah non, vous avez éliminé. Ok. Et qu'est-ce qui se passe dans 10 secondes en fait là? On attend de la prochaine équipe. Ok. Bon, prenez jusqu'ici ça va. C'est la flèche de droite pour up l'arme. Jusqu'ici ça, on part bien. Je sais pas si on donnera victoire sur la première partie découverte, mais au moins... Ah, améliorer votre arme. Oh. Oh oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Mais il campe, lui. Non, mais t'es sérieux, gars? Mais paye ta vie de merde. L'alpha, il vient de sortir, le mec, il est en fond de map. Il vous reste 5 vies. Ah ouais, d'accord. Merde. J'ai quand même l'impression qu'ils sont un... Oh non, dommage, le noscope qui passe pas. Attention. Oh no way. Eh ben on est mort. C'est fini pour nous alors, on est éliminé, c'est ça? Ou on a encore une chance? On a encore une chance! Apparemment. Ok. Oh? Bah non. Ça c'est bon ça, premier sang. Petit kilo snipe. Ça a l'air de... Je dis ça joue sa life en face, mais après c'est un petit peu logique dans un sens vu que... Après si tu peurs, c'est fini quoi. Vous avez 10 secondes. Vous êtes le dernier. Tout repose sur vous. Oh non! Oh les salauds! Aïe, défaite 3ème place. Aïe 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 aïe. Bon, hé! Au moins, voilà, c'était ma toute première partie sur l'alpha de Call of Duty Vanguard. Le gameplay m'a l'air quand même un petit peu obscur. Alors, apparemment, sur les graphismes, j'ai vu qu'on pouvait mettre des filtres. Ah, mais troisième place, qu'est-ce que je fais là? Vous avez été éliminé? Ah, ouais, d'accord, on est éliminé, mais on est là.
Genre on peut spec le truc, non? Eh, j'ai fait 15 kills quand même pour ma première, c'est pas mal. On peut pas jeter des cailloux? Ça fait un peu mode goulag, non? Ça fait un peu mode goulag. Si on pouvait jeter des cailloux, ça serait cool. Oh, ça serait chiant pour les autres, mais ok. Donc du coup, voilà. C'est vrai que ça me paraît un peu obscur. Ça manque un peu de couleurs vives. Alors, c'est vrai que sur Play, du coup, comme je suis habitué sur PC, on met des filtres pour que ça soit un peu plus lumineux, un peu plus clair et tout. Mais ça me paraît relativement sombre. Pour moi, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est pas parce que c'est la Seconde Guerre mondiale que ça doit être sombre. Je veux dire, à l'époque, le soleil c'était le même qu'aujourd'hui, quoi. C'était pas du genre, bon, hey, il y a 60 ans, tu sais, même dans la rue, t'allais, c'était sombre, hein, il faisait jamais beau, c'était toujours comme ça. Après, c'est peut-être la map qui veut ça, mais ça me paraît un petit peu sombre. Après, c'est vrai que là, c'est aussi normal parce que je regarde un petit peu au loin, on est genre le soir ou le matin, quoi. Je pense qu'on est le soir, donc c'est peut-être un petit peu dû à ça. Mais sinon, en termes de gameplay, les sensations, la prise en main et tout, nickel. C'est vraiment du MW. Faut juste s'habituer un petit peu au niveau de la FOV parce que t'as vraiment cette impression d'être un peu plus lent. Mais sinon, c'était pas mal pour la première game. Hein. C'était pas mal. J'ai hâte de vous tester de toute façon la bêta sur PC, voir ce que ça donne. Et là, on pourra juger un peu plus. Mais en tout cas, c'est prometteur pour l'instant.